Salut à tous, on se retrouve pour continuer Ion Life. Alors hier, on avait, lors du dernier stream, on avait vaincu Cro... Punescridus, je sais plus. Punais, je sais plus son nom, on s'en fout, c'est bon. On l'a tué de toute façon, il n'est plus. Donc là, on va continuer... On va aller chercher quelqu'un d'autre, je ne sais plus son nom non plus. Je vais juste vérifier que le son fonctionne bien. C'est bon, on est bon, on va continuer. Me souviens ici, on fouillait, on était en train de fouiller. Oh, il y a quelque chose là-bas. Jean, salut gamin, en tant que chasseur de primes expert, je me disais que j'allais te donner quelques astuces. Qu'est-ce qu'il veut encore lui? Astuce 1, oublie pas de tirer sur les ennemis et de les tuer. Ok, ouais. Astuce de fou là. Astuce 2, te fais pas toucher par les attaques ennemies, elles vont te faire mal. Et ouais. Eh ben, super utile le mec. Laisse des boules. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je suis très chaud. Oh, j'avais pas vu ça. Voilà, j'étais accroupi, je voulais m'enlever. Qu'est-ce qu'il y a? Casse-toi. Excusez-moi. Casse-toi, je savais pas où toi. Je voulais tousser, mais... J'étais pris en tenaille, je savais pas quoi, comment faire. J'arrivais pas à me muter. En plus, c'est qu'un truc secondaire, ça. Il doit avoir un truc de fou là-dedans. Excusez-moi pour ces petites pauses. Je suis pas tant malade que ça, mais je sais pas. Vu que là, je parle, je pense que ma gorge elle ne supporte pas. Bébé des poubelles 6. Phrasier de Fraser. Enfin, phrasier de Fraser ou... On n'est pas autorisé à faire ça. On va se faire attaquer en justice pour cette carte. Ça correspond même pas vraiment à cet ensemble, mais on a oublié d'en changer. Alors ouais, c'est simplement Fraser du show TV Fraser. Trashbag Baby. Fraser from Fraser. Et donc il y a des cartes à collectionner aussi. Intéressant ça. C'est que je le sens tellement mal ce truc. Non, ça va. Ça va parce que je suis intelligent en fait. Voilà. Voilà pourquoi ça va. Alors j'ai vu quelque chose là. J'ai vu un coffre. Hein. Vous allez pas me la faire.
Pas de là que je viens, si. C'était là. C'est ici pour moi. La suite. Ouais, c'est là. Did you stop all the troublemaking recruits in Old Town before I even asked you to? That was gonna be a whole quest thing. I was gonna ask you to do that before I let you in the gate. But hey, you're a go-getter. You just kill without asking. I love that. Head on in. Thanks. Stop trying to kill everyone. Jesus. Allez, gars. Non, je peux pas. Prennent l'ascenseur drogue. Drague. Yo mon pote. Are you going to join the G3? You look tough. I bet they'd love to have someone like you. Hey, have fun in Drague Town. Be careful, a lot of G3 guys down there, and they're a bit trigger happy. T'inquiète, je m'en suis occupé. G3 really spruced up Drague Town. You can get anything you want down there. Drugs? Sure. Sex? Yep. Those are the only two things I can think of. Oh wait, laptops. You can get laptops. Drugs, sex and laptops. That's Drague Town, baby. Ouais, comme il marche. Ooh, you heading down to Drague Town? It's way cooler than Old Town. Old Town's a boring dust bucket, I'll tell you that much. I hate Old Town. I just stand around here telling people how much Old Town sucks. That's what I do. That's my cool. That's what I. That gets my rocks off. Why don't you? Ok, l'ascenseur. Attends, on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ok, rien. Je peux interagir avec rien du tout. On va y aller. Are you looking for glory? Then join the G3 cartel. My name is Douglas, the G3 chief of training. Ah, c'est lui que je dois m'occuper, Douglas. Well, goddamn, there's Douglas right there. That's how you know we're in the right spot. Et mon pote, je peux pas passer de l'autre côté? Non. Non, non, non. Who needs items? Mothers against violence. Oof, well, that falls in our favor, huh? We're not gonna have to worry about any trouble in this area. Je peux pas parler? Come on, I got good shit. Buy. You really didn't buy nothing, asshole. Je peux pas te parler. Look, I'm not above threatening customers that don't buy something. Ah, maintenant ça s'ouvre par contre, mais tout à l'heure ça s'ouvrait pas. You know, everyone... Hey, come on by. Autant hey, de chargement. Come on over and shop. Mais je peux pas. You know, everyone... Oh punaise, j'avais pas vu. OK. Cette amélioration permet à Naifi d'étourdir les ennemis plus souvent. Tiens, intéressant. Y'a quoi d'autre? Y'a que ça, hein. Mais c'est intéressant. De rien. Il faut que j'aille là. Oula. Punaise, ce temps de chargement. Les temps de chargement comme ça là, au milieu de nulle part, c'est un petit problème par contre. En 2022. Vraiment la pire logique existante. Réellement.
jamais entendu un truc si bête. Et pourtant, j'en ai entendu des trucs dans ma vie. My brother told me Douglas is really into torture. Like, sexually? Does it matter? Yes, to me, it needs to be sexual. Why are you telling me this? I barely know you. Oh, my bad. Yeah, just sort of spilled out. Well, now you know. Do with it what you will. I'm not doing anything with it. Et moi, je peux en faire quelque chose? Mais. Excuse me. Fuck, he just broke my kidney. If you touch me again, I'll eat your head. Il est bête lui. Allez hop, allez les gars. Je mériterais bien un coffre là. Pas tous les jours quelqu'un va sauter là-haut. Ok. Pas trop mon délire ça. Ah, je peux lui parler. I hate the G3 like everyone else, sure, but hey, if the G3 wasn't here, who the hell would be buying my sounding rods? Sounding rods? Yeah, it's a little metal rod you stick up your urethra, if you got one. It's the family business. We sell little metal sticks you shove up dick holes. You think you're better than me? Well, you are. You 100% are better than me. I'm dirt. And the G3 wants to buy all my sounding rods. So fuck off. Okay, all right then. Okay. Je pense qu'on va partir. Punaise, mais on peut encore discuter avec lui. You know, a lot of people are pretty close-minded about sounding rods. It's a hard business. Bah, normal. I'd love to, you know, sell something everybody likes, like chocolate, but no, I'm my passion lies with sounding rods. So that's what I sell is I just sell rods you stick up your dick. That's me. Ok, il a l'air de plus rien avoir cette fois. D'ailleurs, ça apparaît de façon tellement random. Les trucs des fois. Oh là là, ils savent pas ce qu'ils veulent. Oh! Bébé des poubelles 7. Alec le défunt. Mais c'est horrible. Désolé, celui-ci était supposé être fun. Un truc comme Alec l'ennuyeux. Il devait parler des sous-titres d'animé qu'il aime le moins ou quelque chose de Terran comme ça. Mais il est mort avant qu'on le dessine, donc maintenant c'est Alec le défunt. Terrible. Oh, I hope we don't have to meet Douglas. Yeah, jeez, that guy scares the shit out of me. He was trying to play Gary alive at the party last night. He should have. Honestly, Gary's a racist. Oh yeah, Gary needs to be flayed alive for sure. Just, you know, there's a time and a place. Maybe we shouldn't be talking about this stuff out loud. Here we go. Putain, c'est bien cette zone. Franchement, j'aime bien. Nipulon is so cool. He was looking real good. Easily the hottest G3 officer. Whoa, whoa, whoa! Nipulon's not as hot as Sector Giblets. What? Nipulon's way hotter. Trust me. And he's got charisma. That goes a long way. Okay. C'est pas la suite là. New recruits every damn day. Like they must run through these guys like I run through a sleeve of Oreos. Oh yeah, I've killed a few myself, to be honest. I can't say I blame you. Bunch of no good Gorzos coming here, you know, taking our jobs, eating our Oreos. Hey, why do you keep mentioning Oreos? Ouais, j'avoue. Are they paying you or something? I have no idea what you're talking about, man. I am in no way affiliated with Nabisco or the parent company Mondelez International. Oh, mon pote. Oh man, this place used to be way better.
had him before the G3 moved in. It was way more fun doing illegal shit before those guys decided to tell us how we need to do illegal shit. That's not what Port Turin was supposed to be about, man. Fuck it. Il me parle normal alors que si ça se trouve je suis avec les G3. Oh, they convinced me. Let's join the G3. Mais pourquoi pas, après tout. J'ai combien de pesos là? 1105, ok. Est-ce que c'était pas où on était tout à l'heure là? Semble que si hein. J'arrivais par là. Ouais, j'arrivais par là. En montant du coup. Regardons où c'est exactement, c'est là-bas. Désolé. Oh, tiens. Oh, excuse-moi. Ok, bah je pense qu'il faut aller là-bas, là. Children are in their 30s at least, so this isn't about them. We don't really care if they die, we just happen to be moms who hate violence. Have fun out there, kids. I'm Senator Thomas Michael Phillips, and I support Mothers Against Violence. This zone is part of the Mothers Against Violence Treaty, so no violence allowed here. Take care. So, how did Mothers Against Violence come about? Well, all us moms here in Dragtown got together at the last Mamapalooza and decided to have a few small sectors where we don't all kill each other all the time. We don't have anything against anyone who loves violence, but it's just not our bag, you know? Also, all our children are in their 30s at least, so this isn't about them. We don't really care if they die, we just happen to be moms who hate violence. Have fun out there, kids! I'm Senator Thomas Michael Phillips, and I support Mothers Against Violence. This zone is part of the Mothers Against Violence Treaty, so no violence allowed here. Take care. Let's go. So, how did Mothers Against Violence come about? Well, all us moms here in Dragtown got together at the last Mamapalooza and decided we'd be fun to have a You? I'm in the G3. All my friends joined, and they all died. So, hot stuff, why are you joining up? I don't know. This is just what we do. Our whole race. We just joined the G3. It's just what we do. Yeah, it's what we all do. You seriously can't do anything else other than this. Yeah, man. Our whole race joins the G3. Well, 80% of us do, but the other 20%, we just sort of make fun of them until they join anyway. There's just no escaping it, but we're gonna kick some ass. Don't worry about me. I'm already resigned to dying in the battlefield. I've made peace with it. Take care. Hey, Bill. Un petit côté de la map que j'ai pas fait visiblement. Ah, si, je l'avais fait en plus, je suis juste passé à côté de ces deux petits trucs. C'est là-bas, ouais. Ouais, c'est ça. We don't really care if they die, we just happen to be moms who hate violence. You were all at the party last night, right? Douglas was fucked up. Oh yeah, that guy was pounding a bag like a full-grown Scribulon. Which are like the Irish of space, in case you didn't know. But you do know, we all know space stuff. Yeah, goddamn, I don't want to stereotype, but I bet 50 pesos Douglas has some Scribulish blood. You know what, I'm gonna go look into that. Vas-y, fais tes recherches. Moi, je vais aller m'occuper de lui. Hey, désolé. Hey. Non, je peux pas monter dessus. Dommage. Un peu déçu. Ah, là, il n'y a plus le traité anti-violence. Là, je peux recommencer à tirer sur des gens. Casse-toi, toi. Ah, mais c'est un truc pour moi? Ah oui, c'est un truc pour moi. Je croyais que c'était un ennemi. Oh!
our jurisdiction. That's right. There's Mothers Against Violence, and then there's us. Mothers for Violence. We're a little different. We love violence, and we want more of it everywhere. Us mothers may disagree from time to time, but there's one thing we all have in common. We're all mothers. Stay safe out there. Actually, don't. Go shoot people. We love violence. I'm Senator Thomas Michael Phillips, and I support Mothers for Violence. I support all the mothers. I don't stand for anything. Ouais, visiblement, ouais. Fiction. I let these mommies just boss me around, and I do whatever they ask. Parce qu'il approuvait les mères contre la violence, maintenant il approuve les mères pour la violence. Mais ça... Excusez-moi. Ça c'est totalement des mères qui ont des enfants turbulents, qui veulent s'en débarrasser le plus facilement possible. Pour moi il y a un coffre ici. Hein. Non, trompé de touche. Voilà, c'était sûr. Punaise! Que j'ai foutu. Ah! Mais. J'ai paniqué. J'ai fait n'importe quoi. 200! Oh! Ça a commencé à augmenter maintenant les. Les loot. Dans les coffres. C'est la première fois que j'ai un 200. Il y a des ennemis. Ils sont là-bas. Ouais, ils sont en train de se. C'est où? Comment j'y vais moi? Déjà je vais regarder vite fait s'il n'y a pas quelque chose ici. S'il y a ça. Voilà. Ça juste. Ça va être sûrement de l'autre côté. Et cassez-vous. Oh, punaise, ils sont nombreux. Hein. C'est quoi ça? Oh, je t'avais pas vu toi. Oh, je l'avais pas vu en haut. Oh là là. Décapitation en règle à la française. Il faudra que je vienne récupérer le cristal ici à la fin du combat. Il est où? Attends. Tiens, donne-moi du bouclier. Tiens. Mais. Tiens, voilà. Rendez-moi mon bouclier. Petito. C'est ça? Punaise, le bouclier a disparu ici. Casse-toi! Voilà. Faire 120 kills de mêlée, tiens. Ah, 1000 pesos? Comment ça, 1000 pesos? Pourquoi 1000 pesos? Bon, vous me saoulez là. Venez que je vous kill au couteau. Il est où le troisième? Je l'ai tué? Ah non, il est là. Ou peut-être que je l'avais tué. Peut-être que c'en est un autre, je sais pas. Je ne sais plus ce qui est vrai, ce qui est faux, les gars. C'est juste pour le plaisir ça. Ce que je peux récupérer ici donc. Et hop, ça dégage. Et hop, ça dégage. Tiens. Voilà, je récupère. Voilà, alors on va venir ici. Oui, je sais ce que c'est. Il y en a un là-bas.
aussi. Je ne l'ai pas oublié, t'inquiète pas. J'arrive te chercher. Warp Crystal. Tiens, ils l'ont pas traduit à droite. Casse-toi, toi. Hein? Qu'est-ce que c'est, les gars? C'est bien là-bas la suite. Putain, y'a pas de coffre là. Dommage. J'y ai cru, hein. Bon, tiens, j'y ai cru. Parce qu'on aurait tous les réflexes de prendre la tyrolienne directe. Je me suis dit, ils ont peut-être caché un coffre là. Avec 100 pesos. Mais non. Ah! Est-ce qu'il fallait vraiment faire ça ou pas? Ouais, fallait faire ça. Attends, ça m'amène où ça? Oui, deux secondes, je fouille juste. Ok, y'a rien. Et ça, c'est un nouvel endroit ou pas? Ouais, c'est un nouvel endroit. C'est là la suite? Hey, Ada, thanks for coming over here. I'm the goop guy around these parts. You wanna sneak in the G3 facilities? You gotta get covered in goop. That's just how it goes. My stuff's quality. So, you want some goop, right? You know what? Yes. How about a big fat yes? Let's go. Perfect. Head down the alley there. Just let the magic happen. I guess. Don't worry. First goop's on me. Just tell all your buddies about it. Mais c'est moi, il va me. Oui, il va faire ses besoins sur moi là. Ouf. Oh my god. Oh, gee. Oh my god. Not what I was thinking it would be. J'ai pas trop envie là, au final. C'est devenu un objectif. Oh. Regarde pas en plus. Oh my god, the smell. Oh my god, I'm gonna fucking throw up. Okay, I'm alright. Hey, look at you, you're all gooped up. I gotta be honest, it won't last long. It's not the real stuff, so you better be quick. Get in, get out. Don't stay in there too long. Don't lollygag, cause this stuff's gonna fall off. That's the goop guy pro. The Drake Town, cet endroit est ouf, amuse-toi bien. Ça dure pas longtemps, mais je prends quand même le temps de faire un tour. Je me suis mis une énorme race la dernière fois que j'y suis allé. Ok. Je ne veux pas forcément le savoir. Je sais pas comment c'est arrivé. Mais j'ai accouché un truc genre fétiche de gestation masculine. Mais arrivé dans la vraie... What? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? C'est un truc de fou. C'est Drake Town, quoi. Aucune idée de ce qui est arrivé aux enfants que j'ai eu. Punaise! Voilà, j'ai réussi à passer. Visiblement, ça servait pas à grand chose. Moi, pour l'instant. On verra plus tard. Let's go. Salut Evanuel, comment ça va? Je suis désolé, j'avais pas vu ton message. Tais-toi. Alors le jeu, si tu cherches vraiment un jeu sans prise de tête, tranquille, détente, oui franchement je le conseille, il est sympa. Il y a quelques petits bugs. Le problème c'est qu'au début, au tout début du jeu, on te dit s'il y a des bugs ou des glitches, c'est prévu. Donc tu sais même pas si c'est prévu ou pas, ou si c'est des vrais bugs. Mais sinon, franchement, en mode détente... tais-toi. Si tu veux juste te détendre, que tu veux pas tryhard ou quoi...
Et que t'as pas de problème avec la vulgarité aussi. Parce qu'il y en a énormément. Tu peux aller dessus. Je le conseille vraiment. Oh, il faut que je m'assoie en fait. Oh my god, is that... You saw that, right? That was a Gatling. Douglas has a Gatling. We got to rescue... Non, j'ai pas vu, je regardais pas. These fucking Merkaloids. Well, fuck, here we go. Shit, I hope it's not too difficult. T'inquiète. En plus, le jeu, justement, il est pas difficile. Tiens. Vas-y, viens. Bah, il faut s'entraîner, hein. Oh, tiens. Quoi? Tiens. Attendez, vous me saoulez. On va changer d'arme. Quoi, genre ça fait pas une AOE? Moi je pensais que ça allait tuer tout le monde d'un coup. Mais il tire sur qui? Il tire sur ce truc là. Mais arrêtez de me tirer. Il me tire dessus. Tiens, cassez-vous. Ben oui, elle me visait là. Casse-toi. Oh, un petit coffre. Je prends les 100 pesos. Putain, j'avais pas vu ce chemin. Ouais. Oh, Lucky's Tale, j'ai pas encore fait. J'aimerais bien le faire, il m'intéresse. Il est tombé le nulos. I have a pacemaker. One zap would kill me. Bien, c'est pour le plaisir ça. Oh, 2 pesos en plus, j'ai eu. Punaise. Ouais, j'ai vraiment été nul. Encore un film? Je peux m'asseoir où? Ben oui, je vais pas attendre une heure. Et je peux pas tirer. Le jeu m'empêche de tirer. Seriously, for fuck's sake, don't make us wait a whole hour. Ouais, mais je passe où? Puisque le jeu m'empêche de tirer. Pas un chemin? Ah si, il y a un chemin, j'avais pas vu. Ok, y a rien ici.
Non, faut que je me baisse. Fais exprès de te prendre. Attends, il faut aller où? Il faut aller là. Donc, je vais monter. Et y a rien. Un peu déçu. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Juste au final pour ça, je suis full. Ouais. Oh my god, hello! Thank god you're here! My name is Dr. Jupy. Douglas kidnapped my whole family, and I'm trying to sneak in and save them. But I just can't get through these pipes in the next room. Oh my god, I'm freaking out! Hey, whoa, listen, little guy. We're trying to find Douglas too, you know? Maybe we can help each other. You know? God, I'm so worried I'm gonna throw up. You really helped me? Oh gee, I'm so grateful. J'ai pas eu le temps d'essayer de le tuer. Non. Hey, don't worry. This is a classic textbook puzzle situation. I think me and my bounty hunter partner can figure this one out. Don't even worry. Oh, how wondrous. I'm forever in your debt. I don't know how I deserve it. Poor family, my wife Plimmy, my kids Swoopy and Froopy. Quoi? I'm gonna get to see them. Il en manque un quand même. Est-ce qu'il serait pas en... Si, il est en... Voilà. Do it. I bet you're gonna solve this puzzle in no time. When this is all done. Mais c'est bon, tiens. Il y a un truc là-bas. You're too kind. It was easy. Oh, did you say you're heading to find Douglas too? His office is that big building up on top of Dregtown. Up there's a zip line just past here that'll take you right to him. Ça marche. Huh. Well, all right then. I hope the guy gets his family back. Faut leur prendre la... Attends. Oh, je méritais plus que des pesos là. Il était quand même un peu caché. Ah! Mais pourquoi? T'as vu? Le plus dur est passé au moment où je meurs, quoi. Ah! Ah! Oh quoi? Congratulations to all of you worms who made it this far in your training. It is now time for the final test. A bloody free for all. Last one standing gets to join the G3. No rules, go. Just killing. Good luck, shit heels. Et mon pote, tiens, t'es mort. Holy shit, kill them all. Donc en fait, dans une salve de recrues, il n'y en a qu'un seul qui survit, c'est ça? Comment ça, Bounty Hunter? Tu serais... T'es pas censé savoir que je suis un Bounty Hunter. Bon, après, ils voient ma tenue aussi. Bounty Hunter. Boum! Boum! Comment ça, bouclier brisé? Donnez-moi ça. Donnez-moi du bouclier, les gars! Voilà, merci pour le bouclier. Mais c'est qui me tire dessus comme ça?
ils sont énervés eux. Mais monte. Voilà. J'ai appuyé plusieurs fois sur le L1 quand même. Pour monter. Tiens. Et je suis vraiment nul en visée. Hein. Allô? Peut-être en poids tu pèses plus que moi, mais pas en skill en tout cas. Tu es 30 mercenaires, tiens, 500 pesos. Il est où le dernier? Et il y en a plusieurs derniers d'ailleurs. Enfin, il faut que j'ai... Punaise, je me trompe de touche. Dans la panique, en fait j'essaye de faire la glissade puis de taper. Dans la panique, je me trompe de touche. Enfin la glissade. Punaise. Casse-toi toi. Oh mais cassez-vous. Ils sont trop nombreux. Non, je croyais que c'était un drone ennemi. Ça, c'en est un par contre. 240 kills avec n'importe quel flingue, ah ouais. Beaucoup quand même. Ouais, mais j'essaye de trouver des recharges aussi. Tiens. Encore ? Tiens. Ouais, mais ton Globe Shop, au final, il est moins puissant que mon couteau, quoi. Ah, c'est pas prévu, ça. Oh, mon pote. Et... Wow. Wow, wow, wow. Moi j'aimerais bien monter là-haut, voilà. Aller chercher le... Il est où le bouclier? Voilà, il est là. Il est mort, c'est bien. Et cassez-vous.
Il est où le petit? Il est là. Voilà. Quoi, on est pas bon? Je pensais que ce serait terminé là, je viens de tuer le gros. Ah, c'est long. Hein. On veut vraiment. Oui. Enough how little I give a shit. Now report to your commanding officer and we'll send you off to die fighting for us on whatever dumbass planet we decide. See ya. Je récupère. Je vais regarder vite fait s'il y en a d'autres. Puisque j'ai regardé. En fait, je traînais en haut pour voir s'il y en avait d'autres. J'en ai pas trouvé. Est-ce qu'il y en a d'autres en bas? J'ai pas l'impression. Malheureusement. Donc on va y aller. Let's go. Twig est super sympa. Ah, je le sens pas. Hein. Il me fait visiter la ville. Blim est plutôt cool en fait. Ah, je le sens pas son Twig. Hein. Son Twig, plutôt. Tout ça pourrait être super amusant si notre planète était pas en train de se faire détruire en ce moment. Ma sœurette, je te dirais, fais-lui pas confiance. Hein. Désolé, mais... Voilà quoi. Mais c'est moi où je me suis perdu là. J'ai l'impression d'avoir fait un tour entier. Mais je suis perdu en fait. Ah. Ah non. Toujours perdu. Ah non. En fait c'était deux trucs verts différents. Ok. Je pensais avoir fait un tour entier et quand j'ai vu une deuxième fois la porte verte, je me suis dit mince. C'est n'importe quoi. Mais non. Punaise, mais maintenant j'ai envie de faire un tour entier. Voir s'il n'y avait pas un coffre. God, I cannot imagine a universe without the G3. You know, they've just always been there, operating in the shadows, skirting the law. Everybody's too scared to take them down, so they just keep doing all their evil shit, enslaving planets, kidnapping useful species. Huh. Are we sure we're gonna be able to do this? I feel like someone more powerful than us should be doing this, honestly. Oh là là. Arrête de te faire dessus, là. Ok, très bien, j'ai fait le tour pour rien. Je vais faire le tour deux fois pour rien. Bon, par contre, il n'y a pas quelque chose, là. Visiblement, comme c'est modélisé, je crois pas. Mais j'ai pas vu un truc, non. Un truc pour s'accrocher, visiblement, non. C'est dans ma tête. Tout est dans ma tête. Drag Town Pwn. Il y a un truc à acheter ici. Mode multiplayer game. Cette augmentation multiplie la quantité de slime que généré. Oh. Vas-y. Un plan musculaire. Cet implant renforce les muscles qui permettent de déclencher les tirs principaux de Kenny. Les renforçant un peu pour affliger plus de dégâts. Let's go. Écoute, il me reste quand même 1859. Let's go! Un petit boss? Ou pas? Pas encore, je pense. C'est mon pote. Ah ok. Mais punaise. Mais je... Elle me rend fou cette manette. Hein. Avec le R1 qui bug. Et du coup je reste maintenu pour viser mais ça se maintient pas tout le temps. Bon attends.
essayer dans l'ordre. Donc on va là. Là on est bon. Ensuite on va là. Parce que si je fais des trucs au hasard en sachant pas dans quel sens il va arriver. Comment ça le knife il peut aider? Voilà. Non, c'est pas ça. Non, en fait, j'avais raison. Je crois que je l'ai déjà bougé. Je crois que c'est comme ça, ouais. Comment ça, Naifi? Pourquoi Naifi? Voilà. Non. Là, on est bon, non? Ouais, on est bon. Tu vas voir qu'on va voir un truc horrible, genre il va... Tu vas voir que ça va devenir un monstre, Dr. Joopy. This is an urgent announcement. This sector has temporarily been designated as a mothers for and against violent zone. Quoi? Probably just going to be a lot of violence. An intruder has infiltrated the G3 recruitment program and there will be lots of violence here. Until we find and kill them. And remember. Huh, I guess they're talking about us. Remember, I'm still here, and I support any and all mothers out there. I'll believe whatever cause they ask me to believe in. Hot mothers, not hot mothers, I love mothers. Okay. You know what, that looks like Douglas's office, but we can't get in that way. Maybe we can go around back. Ok. Okidoki, comme disent les jeunes. Ils disent vachement ça, les jeunes. Tiens. Quoi? Mais je t'avais pas vu, toi. Oh, je vois où on est. Ok. Oh, Norman Reedus. Sam Porter Bridges. Vas-y. J'arrive les gars. J'ai l'air d'avoir beaucoup de fun là-haut. J'ai envie d'y participer aussi. Tiens. Tiens, c'est fini déjà? Un peu déçu. Non, punaise, c'est pas ce que je voulais faire.
Voilà. On est là? Est-ce que c'est la suite? Ah, je sais pas si c'est la suite, peut-être. Ah! Je me suis pris des dégâts. Qu'est-ce qui se passe? Dégage du milieu. Calm down. What's the matter? What's stickle? It's a cool graffiti trick, dumbass. You cover the wall in invisible stickle during the day, then at night you come back to do graffiti and the paint only sticks to the sticko. Oh, but you're all out of paint. This might be something we can help with. Ouais. Bon. Punaise. Faut lui truffer de la peinture à elle, mais elle est chiante. Ah! Ah, c'est bon. Quoi? Où la suite? C'est là où? Bon, écoute. Cassez-vous. Allez, Tony. C'est quand même bien amusant de foncer dans le tas, de poignarder tout ce qui bouge, boum, retire son cerveau. Dommage, Naïfi, il fait pas des petites remarques quand on tue au couteau. Enfin, pas tout le temps, parce que moi, vu le nombre de fois où je tue au couteau, ça va vite devenir chiant, mais des fois, ce serait pas mal. Je peux rien faire avec ça encore. Je suis impatiente que tu rencontres Twig. Puis je le sens tellement pas. Il dit rien qui puisse me mettre mal à l'aise, d'accord? En fait, j'avais même pas besoin de te dire ça. Tu dis jamais rien de toute façon. C'est vrai que j'ai jamais entendu mon personnage parler encore. On fouille un peu la zone avant d'y aller. On peut récupérer un peu de loot. Tiens, je suis déjà allé là-bas ou pas? Oh oh, je suis foutu. Boum! Oh, attends. J'ai pas vu ça, je suis bête. Oh, attends, j'avais pas vu ça, je suis bête. Voilà. Oh, attends, j'avais pas vu ça. Attends. Faut que je tire dessus par où, par contre. Là, ça devrait être bon. Non, c'est pas bon.
Ah, ça passe quand même. Yes. Et là, je peux y aller donc. Normalement. Voilà. Ah, mais je suis déjà venu ici. J'ai juste créé un raccourci. Ça me dérange pas. Hein. Oh, oh. Non, c'est bon. J'étais passé au moins, il y avait une voiture qui passe. Enfin, un véhicule en tout cas. Pas vraiment une voiture, mais. Il faut lui trouver de la peinture à la dame aussi. Il a l'air d'avoir un gros coffre derrière elle. Avec du bon loot. Il manque de la peinture. Il y a de la crise pour de la peinture. Allez, récupère-moi ça. C'était pas ça qu'il fallait prendre, si. Si, c'était lui. J'avais peur qu'il y en avait un autre et que j'avais pris le mauvais. Ou que je l'avais pris dans le mauvais sens. Yo, mon pote. Douglas is right beyond this door. Can you help me out one last time? Yeah, let's do this. Oh, huzzah! Plimmy, Froopy, Sloopy, here I come. Il faut qu'il aille où? Il faut qu'il vienne ici, je crois. Quoi? Ah! Et dire, on va simplement faire le. Le truc arrière, mais je suis tombé dans le vide. Le truc qui est placé exprès. Au cas où tu recules. Donc c'est celui-là, ouais. Mais je m'en fous ce. Ah, ok, très bien. Il tourne. Ah mais je peux pas parce que... Mais les deux ils sont pas accrochés l'un à l'autre. Je comprends pas. Attends, je vais refaire le chemin. Parce qu'on est d'accord, pour moi il doit venir là. Pour moi en tout cas. Après, il n'y a pas de lumière dessus, donc est-ce que ça veut dire que c'est il faut pas qu'ils viennent là, je sais pas. Donc on va tout à gauche. On descend ici, logiquement. On devrait faire ça. Ensuite, on utilise celui-là. Puis les yeux. Après qu'on active celui-là. Et ça tourne pas ? Je comprends pas pourquoi ça tourne pas. Attends, il y a peut-être un ordre à faire, je sais pas. Puzzle School, le fameux. En fait, le problème, je crois qu'il va falloir changer pendant qu'il est dedans. Voilà, là,
Là, on discute. Voilà. Now we're talking. Comme on dit en anglais. Now we're cooking with oil. Non, c'est pas ça du coup. Qu'est-ce que c'est alors? Ah, attends, j'ai pas vu lui. Voilà. Et on est bon. Ben on est bon là, non? Non, on n'est pas bon. Voilà. Là, on est bon. Bah ouais, écoute. Moi j'avais essayé de le tuer, hein, mais t'as pas voulu. Mais bien sûr, c'était sûr. Douglas. Et je l'ai dit tout à l'heure, je crois que il y a moyen que ce soit. Soit la même personne. J'aurais tellement pu le tuer facilement, quoi. Il est où? Est-ce que... Truc à ramasser ou c'est moi? Tiens. C'est pas mal cette arme là. Ah, je l'ai pas eu. Oh, je l'ai eu. Punaise, des boules. Oh oh, je suis pas bien là. Oh non! Oh non, j'étais dans l'électricité, les boules! Ma deuxième mort du jeu. Hier, on était mort contre, contre le boss Krubis. Aussi. Tiens. Rien.
Moi je récupère ma vie. Oh non, déjà des ennemis. Tout à l'heure il n'y avait pas de... Il n'y a pas d'ennemis si tôt. Il y a des ennemis si tôt. Bah donnez-moi votre... Tiens. Hop. Allez boule. Allez, tire! Voilà. Punaise, je l'ai pas vu. Je récupère ta vie. Il est où? Tiens. Perdu. Ah voilà. Tiens. Voilà. Il est où? Il est là. Mais je panique. Tiens. Récupère ta vie. Pardon. Attends, je récupère juste ma vie. Et puis je leur attaque. Voilà. Il est où? Voilà. Presque fini là. Et il est fini. Quoi, il est pas fini? Si, il est fini. Il est en train de paniquer là. Électrocuté tout seul. Yes! Remise de diplôme du G3. Battez Douglas. Fuck yeah, that's definitely the stuff. Oh, now that felt good. He had some very nice, choppable flesh actually. It was actually very nice. This was very nice. Oh, oh! Sweezy aime le dimanche matin. Obtenir Sweezy. What? No hello? Nice to meet you or thank you for saving me? What? Like you not dying there was some sort of favor to me? Pretty cool, right?
Oui. Douglas, it's Garmantuous. Where the fuck are you? I heard you made a complete fool of yourself at that party last night. Not good, Douglas. Not good. I'm gonna need you on top of your game now that we've got a hold of these humans. We're spread thin over on Earth, and I need more troops immediately. Not to mention, things are gonna start heating up all over the galaxy as demand goes up. Big things are happening, Douglas. Get excited and get your fucking shit together. Okay, yeah, fuck that. Ok. À voir en combat avec cette arme. Oh shit. I think that's a photo of the famous dude who invented translator microbes. Why the fuck does he know Douglas? Non. Voilà. Voilà. Et les gars. Oh oui. Je sens que ça va devenir mon arme principale. Oh! Attends, le. Punaise, le cristal. Dommage. Ok, attends. Oh oui! Comment on passe en face? Pas passer. Hein. Il bouge trop là. J'aimerais faire le truc, planter des cristaux. Bien, tu peux pas passer. Bah ouais, je veux justement. C'est ça que je veux faire, mais ça fonctionne pas. Quoi? Je peux les tirer à travers. Oh punaise, ok. J'ai compris ce que je dois faire. Mais non, punaise, j'ai donné un truc. Oui, je sais. Faut juste pas que je panique, quoi. Mais ça se fout de moi, je l'ai touché. Le jeu se fout de moi. Ah! Punaise! Ben oui, trop loin. J'avais oublié qu'il y avait un numéro. Enfin, un numéro. Mais regarde-moi ça! J'étais dessus!
Pourquoi il s'est pas accroché? I'm not a miracle worker. I can just slow down time. Which actually is... Okay, you got this. Just nice and easy. Enfin. Hop on the time. Voilà, incredible, right? Enfin. What a thrill. You know, you can use that time bubble on the G3 too. And try loading the bubble up with my crystals. Then you'll see why I'm the best Gatlian. We're gonna make a good team. I can feel it. Just listen to everything I say and never use the other Gatlians. Bébé des poubelles neuf, Fridley le péteur. Juste un gars qui pète, rien de trop spécial, même pas marrant ou quoi, mais ouais, il pète tout le temps, constamment. Genre, il le fait volontairement aussi. Il les sort même quand c'est pas vraiment urgent, il est malade dans sa tête. Je reviens quand à la maison? Genre, un jean est super relou. Sérieusement, reviens ici, j'arrive, ma soeur. J'arrive, ma sista, comme disent les jeunes. Les jeunes des années 90, ouais. Allez, let's go. Ouais, justement, j'allais l'encaisser et m'en occuper après. J'ai combien de... 4203 pesos, pas mal. Now catch this next bit. All about to change. We've learned of a bold bounty hunter who's been bravely taking this G3 matter into their own hands. You hear that? He's talking about you. They've already dealt with two of the cartel's most powerful officers. Yeah, you got lucky. I am not too proud to ask for help in our war on drugs. Bounty hunter, if you're listening, please consider joining forces with the good people of Blim City. I hope you'll choose to come forward and meet with me personally at my office in City Hall. Holy shit, should we go see him? I already told him you go. What? No, don't start. Trust me, he's legit. This guy's been anti-G3 since before any of you were even in diapers. Honestly, I don't know if Gatlin's even wear diapers. Head through there. Clug's expecting you. Sorry for making the call without you, but Clug's a good man. I say we hear him out. Ouais, ma sœur. So what kind of stuff did you do in here? Like anything gross? You have to tell me. Like seriously, come on. Come on. You know how hard it is to get a meeting with the magistrate? Don't keep him waiting. T'inquiète que je vais le faire attendre. J'en ai rien à faire. Hey, where the hell are you going? Ah non, je peux pas. Go talk to Clug. Jesus. OK, on y va y aller. Hein. De toute façon, je pense qu'on va juste discuter, donc il y aura pas grand-chose. Thank you so much for coming, Bounty Hunter. No problem. It's nice to meet you, sir. Look, I'll cut to the chase. I need your help. You're a human, correct? My men looked into it. Sorry. You survived the G3's attack on your home planet Earth, right? Well, we're Gatlians, but Of course. Sorry. I'm familiar with your plight as well. It's such a tragedy what happened on Gatlas. It makes much sense that you and the human would join forces. But perhaps you have room for one more ally as well? But you're a big name politician and we're out there, you know, killing people. Like, wouldn't that look bad? That's precisely why I need your help. I'm having the darndest time curbing the species drug trade. I can only do so much and only within the confines of the law. I mean, I've got my hands full with Gary the Poisoner. He's not just poisoning the water supply, he's moved on to poisoning weirder stuff now, like street lamps. We don't even know how that works or if it's actually a problem. On a déjà entendu parler de Gary au début. And I wish I could focus more time on the G3. But you've taken out two top G3 officers in less time than it takes us to file a single report. So you see how you can help me. But there's also one way I can help you.
Okay, we're listening. This tool on my desk here will help you rescue your fellow humans. You can use it to teleport them to a safe haven my team has arranged for them to stay at until the G3 are dealt with. Ok, ça marche. Alors j'accepte. Wow, that's really helpful. You're just giving it to us? Well, the human species is technically a drug. I can't have dangerous sentient drugs in the hands of my citizens, and you can't have your people getting captured and consumed. This solves both of our problems. Assuming you plan to continue taking out the G3. We absolutely do! Then, thank you. Sincerely, you humans and Gatlians, you're both very noble species. Oh non, lui aussi se drogue, j'en suis sûr. I've made it my life's work to use my power to help people in need, but even I have my limits. I'm just glad I have someone like you to turn to. As a token of thanks, my team will be feeding any intel we find on the G3 directly to your handler, Mr. Zaruthian. We've already sent him everything we had. The rest is in your hands. Thank you so much, Mr. Nugman. That's all I have for you. Feel free to stay as long as you like. The view is breathtaking. 100%. On va tuer le chef du G3. Ensuite, comme boss, on aura lui. Parce que je suis sûr qu'il se drogue. Sûr qu'il se drogue avec ça. Et puis après, on devra tuer Jean. Parce qu'il va vouloir rester chez nous. Saying they'll hook us up with any G3 intel they find. Yeah, not only that, he gave us a way to save humans. God damn. You got it easy. Nothing as convenient as this ever happened when I was bounty hunting. Hey, speaking of, we should get you a jetpack before you head back out into the field. You're really gonna need it. De toute façon, j'allais aller à la boutique. Oh, and yeah, you might want to hit up Bordeaux's chef stand too. It's a little shady, but those warp discs he's selling can be pretty helpful. Je sais, j'en ai déjà acheté un. Pour le cinéma, que j'ai pas pu utiliser d'ailleurs. Genre, rebonjour, ouais. J'en ai combien des trucs? J'en ai trop encore. J'ai pas assez, désolé. Hey, listen, if you find a drum anywhere, my buddy Globo here, you know, he'd really love one. He's great, he's a good drummer. And I think it would help him, you know, he's a good musician. I think it would, trust me, it'd be worth your time. Yeah, you know, we'll keep an eye out for you. Hey, sorry, yeah, no, he can't talk, he just sort of makes that noise. Huh, that's unfortunate for him. Look, it took me a while to understand what Globo's saying, but he's just saying over and over, I want a drum, give me a drum, somebody give me a drum. Ouais, bien sûr. Hey, over here! Widow with the talking gun! I'm the little concession man! I got illegal things for you! Come on, here's what's up! My name's Stan, and I sell vials of alien cum. I know that's probably not what you wanted to hear when you walked over here. You wanted cum or what? Hold the phone. What the fuck? You sell alien cum? I know it's gross, but calm down. My name is Stan, and I sell horrendous amounts of all sorts of alien cum. And we're just gonna have to live with that knowledge together now. Why are you here selling alien cum? Is there seriously an actual market for that? I consider it policy not to ask my clients why they want the gallons and gallons of alien cum they buy from me. I figure the less questions I ask about what people are doing with all this alien cum, the better. So, are you buying or not? All right, listen, we thought it over and we'll take... C'est peut-être pour une mission, hein. Il en faut peut-être pour une mission. You want some alien cum? I'm so glad you're interested. Look. Par contre, pourquoi il est en caleçon? Pourquoi gratuit?
come back and get some more. Just tell all your friends about me. Say Stan has the absolute best alien cum I've ever seen, tasted, touched, whatever. I'm not sure if it's his or if he's getting it from some other alien, but I'm just such a huge fan of his work and what he's doing out there on the streets of Flim City selling alien cum to the community. Say all of that. No, come on, would you stop with the killing for a bit? Ah, looking for more alien cum, are you? Well, I'm sorry. I'm fresh out of alien cum right now. We sell out early sometimes. I gotta go restock my supply, and that's not so easy, trust me. But give me a little bit, and I'll have plenty more. I promise. I just... Okay, you saunter away. I wasn't saying nothing. J'ai tout simplement acheté parce que peut-être que j'en aurais besoin lors d'une mission. Hey, you got any jetpacks in stock? A jetpack? Oh, certainly, I can help. Oh, 999. Faut le payer, quoi. Great choice. Really phenomenal choice. Il y a quoi ici? Okay, great. Un autre sac de munitions pour avoir quelques aiguilles en plus. Ok. Génère des fluides internes qui permettent aux bulles temporelles de ralentir le temps en raccourcissant la vitesse de récupération, c'est pas mal. Faire exploser les cristaux de Sweezy à distance en rechargeant une fois qu'elles sont plantées. Oh, c'est pas mal ça. Cette greffe d'organes raccourcit les tubes internes pour qu'elles puissent recharger plus vite dans le prochain tir. Oh non, j'ai pas assez! Il me manque 100. Il me manque 100, c'est dommage. Fais-moi me le retrouver si jamais t'as faim. Laisse-moi voir pour des burgers carrément normaux. Ouais, mais j'ai pas assez. C'est ça le problème. J'aimerais bien, mais... Mais j'ai pas assez. Mais lui, il est toujours devant nous, chez nous. Il part jamais. Il est où, ma sœur? Punaise, mais je veux revoir ma sœur. Did you get a jetpack? Yeah, but it's on back order. Great. Perfect excuse for a rest. We're still waiting on Clug's intel anyway. Why don't you go to bed and sleep off some of that excitement? Gene's right. That sounds like a good idea. So, what kind of stuff did you do in here? Like anything? Hey, good night, partner. I'm just gonna sit right here and watch you fall asleep. I'm really glad we met. You know, I think we're doing something amazing here. How cool would it be if we actually stopped the G3? Sorry. I'm excited. I'll shut up. Let's get some sleep. Pretty soon, you know, we'll be jetpacking across all of space. Sorry, I'm being too loud. You're probably trying to... Let's get you to sleep. Glurbs Day. Floor's Day, Tuesday. What? Pourquoi Tuesday? C'est normal. J'ai dormi pendant 3 jours. Ah mais peut-être que sur la planète, c'est pas pareil le temps. Trophée obtenu, tu t'en vas. Succès déverrouillé, tu t'en vas obtenir le jetpack. All right, partner, let's take this jetpack for a spin. Can you make it over that gap? Holy shit, this rules! Oh, check out that landing. Damn! Clug walked in on me and his daughter having really beautiful and energetic sex. More energetic than you'd expect from someone. Whoops! And he said, no. Maybe let's try that again. And he went on like that for a while. And then next day he went on the news and he said he's gonna... Oh, shit! ...the geriatrics from being so horny. Well, guess what, Clug Nugman? We're cool. Here. We're horny. And we're... Damn! You're just like a TonyHawk.com jetpack pro. I just want to say I... Watch your step! Je vais écouter ce qu'il y a à la télé, moi. Oh, this feels good. On air.
I was pronounced innocent, but nobody really saw it, so I... Well, I gotta tell you, Gene was right. That is gonna come in handy. It's also fun. You can fly while doing combat. It's a very cool feature that we have here. We put a lot of time and effort into it. Let's head back and talk to Gene and see if there's any new bounties. All right. Oh, man. What's going on, Papo? I'm just a tiny little Papo boy, you know? I'm a shiny little guy. I know, but you look like your shoes are on backwards. Your t-shirt's on back. What are you doing? You're doing the crisscross. Yeah, de faire mumuse avec ton nouveau jouet un peu. The human race thing that we're... No, no, it's not the crisscross. Vas-y, on est en train de péter un câble, quoi? Et j'ai de nouvelles primes pour toi. Okay, stop wasting my time. We are here to advertise shirts, ties, suits. We guarantee it. You're gonna look good. Ow, my shoes are on. Ow, my shoes are on backwards. Yeah, we guarantee your suit will be on not backwards. All right, thank you so much. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Sad sack Flimborg boy toy? Fuck off, Gene. Like you've even ever been on a date. Hey, don't even start, sister. I know a lot about dates. I fucked more aliens than your brain could comprehend. And even I don't want to touch your boyfriend. I'm so sick of hearing about this guy. Yeah, right. My boyfriend is so fucking hot though, right? Ouais. You haven't even seen him. Why'd you answer that? Trust me, you don't have to support her just because she's family. This guy's a loser. He is so hot. He's like a low 7 or a high 6. And he's really nice to me. Yeah, no ulterior motive there. Just clean up after yourself, Jesus. Hey, look, I'm sorry if I'm coming off harsh. He's messing up the group dynamic. We've got a good thing going here. We do the fun sitcom banter back and forth while your nibbling here goes and blasts alien baddies in the face. It's great! Dude, you're lucky you even get to live here with us. I don't care about your damn dynamics. I'm just saying you barely know this guy. Are you sure you're even attracted to him? Most aliens only bang their own species. Oh, what about you? You just said you've slept with basically everything in the whole galaxy. Yeah, but I'm a washed-up degenerate. You've got your whole life ahead of you. That's more condescending than it is sweet. What? No, look. We've spent all this time living together. I care about you now, Leslie. For fuck's sake, my name's Lizzie. Come on, tell her I care about her. Voilà, casse-toi. We're all living under the same roof, and that makes us family. And it makes her business my business. I'm the man of the house, so she needs to do what I say. And before anyone accuses me of being a misogynist, yeah, I know I'm a misogynist. We all know I'm a misogynist. I'm working on it. And I'm working on it. But this is about right and your sister being wrong. Listen to yourself. I can make my own decisions. I don't know why you think you're suddenly some father figure to me just because you're crashing on my couch and eating my diary. Oh yeah, I said eating. He's been eating pages out of my diary. So what? My species eats paper. It's delicious. Who gives a shit? I'm so sick of this shit. Look, I just don't want Tweak to think I'm messy, okay? It's that simple. And I don't want you dating him at all. Why don't I set you up with my nephew Grimbledick? He's got a steady job. And yes, before you ask, he's got both his legs. That's not like a family ailment or anything. Fuck off. Just grow up and get used to me and Tweak. Come on, tell Gene I can date whoever I want. Ah là là, mais Tweak, je le sens pas, moi, ce gars. Fine, yeah. Team up against the depressed paraplegic. I didn't know you were depressed. I mean, I knew you were depressing. Har, har, har. Just clean up, Gene. Okay? Sorry to drag you into all that. Anyway, a nice little arrangement with Klug is paying off. They sent us intel on 2 new bounties. So, go ahead if you want to get started on those.
Hey, are we cool? You were kind of coming at me pretty hard during that argument. And just remember, like, we're siblings, right? And you're all I've got left right now. And Jean's a piece of shit. Oh, hey, another girl on the team. Good. Actually, I mean it. I'm not being snarky. That's so nice to see. Yeah, yeah, don't get too excited. We're not even the same species. I'm okay. Sorry we roped you into another argument. I want you to meet Tweeg, by the way. I really think you'd like him. He's really nice to me and, well, he's helping me feel a little more normal. Even though his body doesn't make any fucking sense to me and he keeps trying to take me to restaurants that don't serve anything edible to humans, but... he's really sweet. So don't worry about me. You can focus on killing the space mafia or whatever. Yeah, you know, I appreciate you having my back, but maybe your sister's right. Or not. What do I care? Team Jean, baby. Mais... j'ai eu trois questions. À chaque fois, je me suis mis de son côté. Et elle, elle me dit que j'avais l'air énervé contre elle. Et lui, il me dit que j'étais de son côté. C'est bizarre. This is your bedroom? Okay. T'as pas un truc à dire à propos de ma chambre, toi? C'est quoi ce truc? Bon. Oh ouais, on est vraiment bizarre, hein, quand même. Il y a vraiment des délires chelous. Blood Harvest. Bon. En tout cas, moi, je pense que je vais m'arrêter là pour ce matin, en tout cas. Je pense que, comme hier, je vais revenir sur le jeu dans la soirée vers 19-20h. Pour un petit stream d'une heure et demie, je pense. En tout cas, on avance bien. Ça fait plaisir. Là, on va avoir deux nouvelles chasses de primes. Ça fait plaisir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine.